Tikana prophétiser na vie. Bisika balinga bazokufa kokufa te. Eloko pomi tata na yo ko poma yote. Eloko pomi mama e ko poma yote. Ya ye. Les jours de chaque chrétien ont tourné. Tu vas savoir que la vie est spirituelle et que la foi est spirituelle. Et tu commences à spiritualiser ta vie. Tu vas commencer à dominer sur cette terre. C'est moi qui bats la poitrine, je te le dis. Est-ce que Basimba Kazambe? A partir de l'élo, na commission intouchable. Amen. Na commission bino invisible. Na yoko kotsa yo, na linye ya batuba isapa makambu ya tenye wa. Shama, shama, shama. Adonai Shama 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 Elohim Elohim Adonai Adonai Shama 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 Oh Shama 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 eh Adonai Hallelujah Shama Shama Oh Shama 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 eh Shama Shama Sheba dubaya tebedebe shaba dabaya Shama Alleluia Shama Elohim Adonai Adonai Shama Shama Alleluia Elohim Owe Adonai Yeah Shama Shama Shama, 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 Adonai, Adonai, Shama, Shama, Netolama. Netolama Yahweh Nangai Tungumba Beli Sanjo Sanjo Lama Elome Nangai Tungumba Tonetoli, Tonetoli, Kombo na yo, Tungumba
Togumba Beli, Togumba Be, 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 Togumbambe, Togumbambe ni yo, Tone toli, Kombona yo Yesu, Togumbambe, Togumbambe, Tone toli, Kombona Yesu Masia, Togumbambe, Togumbambe ni yo, Tone toli, oh, we turn it on me. Come on, I am. Shabade bado badia egalo masobra de egalo masadia shibrado badi shabro de badidu egala masopale nano egalo mama ye kado esuza brodi abros kaleta dui ela mama mayo yo ye Shade do e galoba sede da bucha de padoi e galama so sabade e galama su sabado de e galama so sade do tokumba me e galaba sheli amaye e galuba bade da do e galama so sado de tokumba me dio e galama yo mama maye Egato baya to dade, egalo masade, tokumba belio, tokumba belio, tokumba belio, tokumba belio, tokumba belio, tone tolie, tone tolie, tone tolio, tokumba
Bénis tout un chacun de nous. Bisika, bazol landa biso nanzela. De partout ils nous suivent maintenant. Oyo, et dans les réseaux sociaux. Que ce soit dans les réseaux sociaux ou téléviseurs. Présence nayo et envelopper chacun. Je demande à ce que ta présence enveloppe tout un chacun. Bisika bazali. Partout où ils sont. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Merci pour ta présence. Matondo pona bozali na yo. Avec nous tous. Et longo na biso nyonso. Parce que ba bengi yo, Dieu omniprésent. Pwete yondo benga mi nzambo azali bisika nyonso. Merci pour ta présence. Matondo pona bozali chimi na yo bisika nyonso. Là où bande konanga e balandi nyonso bazolandanga. Partout les téléspectateurs nous suivent les bien-aimés. Puisse ton nom être exalté en ce lieu. De notre part, nous jurons te rendre toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, je vous accueille en ce culte de vendredi. Parce que je sors de la présence de Dieu. Dieu m'a réveillé. Avant 3h. Aux environs des 2h du matin. Et quand je suis entré dans la présence de Dieu pour prier, je me retrouvais. Je me suis retrouvé. Dieu a commencé à me montrer des choses jusqu'à ce matin. Kino tongo elelo.
Dieu m'a dit certaines choses. Il fallait même que je réveille ma femme pour lui dire cela. Et je lui ai dit dans notre culte en ligne pour ce soir vendredi et que ça la culte spéciale et ça dengue ya koya kote ate et ça dengue ya koya ko sambela à cause ya magnitude ya makambo zambe atalisinga. Et ce soir vendredi ce sera un culte de prière à cause de ce que Dieu m'a montré. Et bientôt là je vais partager avec vous tous et na lingi ozo fardo oyo na mutima nayo. Et dans peu de temps, je vais partager. J'aimerais que cela soit un fardeau dans ton cœur. Parce que nous sommes tous concernés. Toi et Talibisodians. Jésus. Tango. Nazaki na présence ya Zambi en communion. Pendant que j'étais dans la présence de Dieu en communion. Comme d'habitude, l'obélangai. J'ai dit au Saint-Esprit, parle-moi. Je ne viens pas parler à tout moment, je dois écouter la voix du Saint-Esprit. Nazoya koloba na bato esengeli na yo ka mongongo ya molimo mosanto. Mais namoni nazozela eloko ezoyate. Et pendant que j'attendais, rien toujours. J'ai prié. Na sambeli. Je parle. Nazoloba au Saint-Esprit. Na molimo mosanto. Et balamoko. Et soudainement, au lieu de la message pour na culte à vendredi, au lieu que ce soit un message pour ce culte de ce soir, il a commencé à me montrer des choses. Na moni molili. J'ai vu les ténèbres. Ezipi mboka. A couvert le pays. Mboka na biso. Notre pays. Molili makasi. Un ténèbre profond. Et nazo mituna, eza parce que nazo tanga Joël pour na tangi Joël na tangi. Natangi Malachi et naba place on appelle selon prophétique biblique et lobi makamadenywa. Et je commençais à me demander est-ce que ces ténèbres que j'ai vues c'est par rapport au livre que j'avais lu parce que ces livres aussi parlaient des pareilles choses. Tellement qu'il y a un moment tangu na telemi na tongo na tsuka na keiko la musaye na lobi mama tala makamuna moni bongama tozokende ko sambela cute ya lelo eza cute ya prière ya intercession. Et quand je suis sorti de la présence de Dieu, j'ai rêvé mon épouse et je lui ai dit, je lui ai raconté tout ce qui s'est passé. Je lui ai dit, prépare-toi car ce soir c'est un culte pour la prière. Et a confirmé ngai alobi yepi alandaki musali azambe moko même chose. Et il m'a confirmé me disant qu'elle avait suivi un serviteur de Dieu qui avait fait pareil chose. Ngai na yokite mais nazoyo kamuna mnukuna mais Dieu vient de me révéler. Appelle nazongi. Et quand elle m'a dit cela. Communion. Je lui ai dit que je n'en ai pas entendu parler, mais moi, Bandeko, c'est Dieu qui m'a montré. Bien aimé. C'est que Dieu, je ne parle pas. Bon, on a parlé de Dieu, on a parlé de Dieu. On a dit que nous avons vécu les lots en 2020. Dans sa colère, par le Saint-Esprit. Il y a des choses, même quand je suis dans cet office prophétique, moi-même, je suis dans l'oba. Mais je suis dans l'oba. Et je suis dans l'oba. Et avant de dire que nous avons parlé de Dieu, nous avons parlé de Dieu. La parole prophétique, il y a 2019 oyo ekomi réalité na 2020 et nazo tanga mususu na lobina ngai moko na bangi nan kutuba la kisi angote mais na tina zo tie maboko na litoi na ngai. Je suis un prophète nazo tie maboko na litoi na banga ki e nyonso. Quand Dieu parle soki nzambe a lobi yeba ke nzambe a lobi et et nous tous dans le pays, ça nous concerne. Dieu ne fait rien sans révéler à ses prophètes. Nzambe asala ke lokote soki atalisi yango te na basali na ye. Et voici. Et tala. La révélation. Oyo ya talisi ngai. Na monaki. J'avais vu. Molili ezipi mboka. Des grandes ténèbres profondes qui avaient couvert le pays. Le pays tout entier. Nabiso. Notre pays. Et puis, na monaki kake, ezo beta partout. Et j'avais vu la foudre qui frappait partout. Na bangaki. Et j'étais effrayé. Surtout na Kinshasa. Et surtout à la capitale Kinshasa.
Et j'ai posé la question à Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Zambi alobi eloko nini mutu a fabriqué et soki a beti yango et sonaka lokola kake. Réponse à Pesingaya. Et la réponse de Dieu c'était que quelle est la fabrication de l'homme qui quand elle est utilisée ça sonne comme une éclair. Tango alobi bongo ngai moko na comprendre. Et quand Dieu m'a dit cela, j'ai compris directement. Après alobi Zambi alobi. Dieu a dit Pino ba sentinelle. Vous les sentinelles. Ya molimo. Spirituel. Ya mboka. Du pays. Bozo la la pongi. Vous dormez. Et moto ezoya. Et le feu arrive. Bola muka. Réveillez-vous. Na losambo. Dans la prière. Oh. Singai. Il m'a dit Sambela. Prie. Pour la paix de notre pays, la RDC. Pour soki Congo azana kimia, biso paix lokola tokozala na kimia. Si la République démocratique du Congo est en paix, nous aussi nous serons en paix. Nabi mi tuzana kati ya kimia. Je lui ai répondu, nous sommes en paix. Aifsinga ezabongote. Non, ce n'est pas ça, disait-il. Abi moto ezo tumba na se. Il a dit, il y a du feu qui embrase déjà. Et la foudre arrive. Priez. Vous, les sentinelles. Bien-aimé. Molingami. Ça te concerne. Ezali kambo etali yo. Ça vous concerne. Ezali kambo etali bis. Ça me concerne. Etali ngai. D'ailleurs, la parole de Dieu a dit cela. C'est notre devoir. Que nous prions pour la nation dans laquelle nous sommes. Parce que nakati ya kimia ya mboka biso pe tozana kimia. Parce que si cette nation est en paix, nous aussi nous sommes en paix. Abiyo ndozo mona ke kimia me molili esezipi. Et l'Éternel m'a dit, c'est toi qui vois la paix, mais sache qu'il y a des ténèbres profondes qui a déjà couvert le Je pays. Je ne parle pas de makambo ya mkolo, de moyo batuyos bazo tatula na mnoko na bazo zipazolo. Je ne parle pas de ça. Et je ne parle pas de ce qui se passe. C'est loin de ça. Les amos si kanango. Yango soki o linking mboka na biso Congo. Et si tu aimes cette nation la RDC. À partir lelo. À partir de ce soir. Okolala lisusu te. Non, ne dors plus la nuit. Nous entrons en prière. Je veux donner des directives selon la commission. À chaque minuit, tu peux aspecer ma kila na Yesu comme point de contact pour na mboka na biso. C'est parce que Yesu a tangisi ma kila na ye pour na biso. Tu as besoin de tout tant que ça makila li soso et na yeko sambela makila et ko tanga mate na mboko yo. Amen. Ce que on dit le bal amen ya zoto munene. Amen. Na pourquoi lelo ce soir ezampoko ya intercession. C'est un soir d'intercession. Bisikozali okofukama. Là où tu es, tu seras. Nanga makona kofukama. Même moi je m'agenouille. Nous allons prier. Toko implorer miséricorde ya Zambe. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Makamona moni ebangi singa. Ce que j'ai vu m'a effrayé. Koko yokango na mugongo na ngai. Vous entendrez de ma bouche. C'est une urgence. Ezali kambe osala noki. A toujours dans les réseaux sociaux, mon collègue Okoyo Kate, baliwa mon comme mystique, bat parce que mystique, bat tu es single, bat côté. Est-ce que Koki Kolobele est le côté? Ça fait partie. Mais Makambo et que musika, mais toujours lala. Zambia lobi. Dieu a dit. Bolamuka. Réveillez-vous. Binoba sentinelle. Vous les sentinelles. Alléluia. Amen. To tangi Jérémie. Nous lisons dans le livre de Jérémie. Tanga pour nga Jérémie chapitre 29 verset 7. Jérémie chapitre 29 verset 7 version Darby. Et cherchez la paix de la ville où je vous ai transporté. Alobi cherchez la paix de la ville
où je vous ai transporté. Ce que vous avez dans le Congo, c'est la responsabilité en tant que sentinelle de Molimo. Koluka elongi ya zambe pona kimia ya bisika ovandi. Amen. Parce que kimia ezate yo pe kozala na kimia te. S'il n'y a pas de paix, toi, si tu ne seras pas en paix là où tu es. Yes. Et priez l'Éternel pour elle. Oyoki. Priez l'Éternel pour elle. La ville. Pour la ville. Car dans sa paix sera votre paix. Car dans sa paix sera votre paix. Yes. Dans sa paix sera votre paix. Kimia na yango ne kozala kimia na bino. Ce qui bisoyo suto lingi mboka. Si tous nous aimons tolitovana na kimia. Nous voulons rester en paix. Bandeko. Bien-aimé. Eza urgence. C'est une urgence. To samela. Que nous prions. Na moni molimo ya liwa. J'ai vu l'esprit de mort. Ezo tambola. Dans le pays. Et là, tes autres. Et ça a pris forme humaine. Et cet esprit des morts circule. Et belé. Nombreux. Mais nous avons la responsabilité. Kasitozalina mon kumba. On a quoi arrêter encore. Et à côté les mêlés encore. Alléluia. Amen. Tant que vous êtes monsieur. Version Tob, oui. Verset 7. Oui. Soyez souciés de la prospérité de la ville où je vous ai déporté et intercédez pour elle auprès du Seigneur. Sa prospérité est la condition de la vôtre. Alléluia. Alléluia. Amen. Intercédez pour elle. Merci. Intercédez pour elle. Elle la qui? La ville. Là où vous êtes, notre Congo, à tous les Libanda, ils ont beaucoup na yo sambela. Même si tu es à l'extérieur, ils sont au Yotozawa, ils ont beaucoup, ngai, ils ont beaucoup na ngai. Nazana responsabilité yako sambela. Nous avons la responsabilité de prier pour elle. Nazana place moko na zo kendete. Je n'ai nulle part où aller. Na ebebe na ngai kakawa. Même que Yesu aye sikoyote. Sera enterré ici si Jésus tarde encore. Ça c'est mon pays maintenant. Nous avons un devoir de prier. Version Lingala Monde Nouveau. Verset 7. Lisusu boluka kimia ya engumba epai bino epai na memi bino namboka mopaya. Pe bobonde la Yehova pona yango. Bobonde la Yehova pona yango. Po kimia na yango. Po kimia na yango bokozala na kimia. Na kimia na yango bino pe bokozala nini? Na kimia. Alléluia. C'est clair, c'est bien dit. Elobani polele. Alléluia. Amen. Na kimia na yango bino pe bokozala nini? Na kimia. Votre paix dépend de la paix de cette ville. To sala nini? To sambela. Que nous prions. Mboka. Bien-aimé. Et ça devoir na yo nangaye to sambela pour na mboka to intercéder. On peut changer les choses par nos prières. Tobe ko bongo la makambo na nzela ya lo sambo na biso. Parce que le surnaturel contrôle le naturel. Poete oya moli mondezo kamba oya nzoto. Tout ce qui se passe dans le visible peut être contrôlé à partir de l'invisible. Tout ce qui se passe dans le naturel peut être contrôlé à partir de surnaturel. Alléluia. Et Thessaloniens chapitre 3 verset 16 à l'obi to sambela toutes sortes de prières. En toute manière, pour la kimia, pour la paix. Alléluia. 2 Thessaloniciens 3:16. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 16, oui. Version Darby. Or, le Seigneur de paix lui-même vous donne toujours la paix en toute manière. Oui. Le Seigneur soit avec vous tous. Alléluia. Amen. Azananguya
Il est puissant. Azana makasi. Il a la force. Yako sala. Pour opérer. Tango azo kene na bato na bato na baye kolina mbonge et telemelik bango. Na butu kutu na tuni mwana na ngano bi version lingala oyo. Esa version na lobi Bible na bomoi. Version Bible na bomoi. Mokanda na bomoi. Mokanda ya bomoi. Voilà. Alléluia. Amen. Albi akoluka ngo ponanga. Alobi ba yekolia Yesu baba niko kende. Ils allaient na boato. Dans la nacelle. Bazo kende. Ils allaient. Eh, mupepe makasi ba niko beta. Et un fort vent. Et nous c'est pelisi ngai na verse wana na Matthieu 8 23 à 27, Matthieu chapitre 8, alobi eh Yesu a gangela ki mupepe na lobi abon. Oh, Jésus a grondé le vent. Yesu a gangela ki mupepe. Il a grondé le vent. Alobi kimia. Calme-toi. Mupepe ayoki eh kimia. Écoute. Et le vent a obéi. Zambe alobi boy. Dieu m'a dit ceci. Mupepe mabe oyo. Ce mauvais vent. Oui. Oyo ezo pepa likolo ya mboka na biso. Qui souffle sur notre pays. Kaka denge Yesu a gangeli mupepe wana. Dès que Jésus a grondé ce vent, il eut la paix. Biso pe tozo gangela mupepe wana. Et nous aussi, nous allons parler à cela. Tozo kota na losambo na minute oyo. Nous allons commencer à prier. Ngai moko nazo tinda ka ba intention de prier. Moi sina nga ko landa Daniel ape Pastor Mike. Et yo ozana ndaku na yo pe ozo sambela intercede na biso. Et na minuit biso nyonso na service ya makila na Yesu nazo pambula toko sopa yango comme point de contact na mabele ke kimia na mboka na biso Congo. Amen. Intention yonso diabolique satanique. Toute intention diabolique et satanique pona ko tangisa makila pour verser le sang. Nous le prenons en otage. Au nom de Jésus. Nous, Satan, nous avons programmé, nous avons planifié dans le monde des ténèbres. Tout ce que le diable planifie, pour renverser en go. Nous le déprogrammons. Na combo na Yesu Masi. Au nom de Jésus. Alors, aussi longtemps que vous êtes dans le monde, wana bozana mokili. Vous êtes la lumière du monde. Binonde pole ya mokili. Ndeko. Bien-aimé. Est-ce que vous êtes prêt? Es-tu prêt? Na limba tanga vasio wana ponanga soki ozana lingala wana pe pourquoi pa utangi linga Matthieu 8. Matthieu chapitre 8 verset 23 à 27. Verset 23 version Darby. Et quand il fut monté dans la nacelle, oui, ses disciples le suivirent. Et voici verset 24, une grande tourmente s'éleva sur la mer, en sorte que la nacelle était couverte par le vague. Mais lui dormait. 25. Et les disciples s'approchèrent et les réveillèrent, disant, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. 26. Et il leur dit, pourquoi êtes-vous craintifs, gens de petite foi? Alors, s'étant levé, il reprit les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Alléluia. Amen. Amen. Version Lingala Mokanda na Bomoi. Merci papa. Verset 23. Bongo Yesu amataki na boto pe baye kolinaye balandiye. 24. Voilà. Nambala moko mopepe ya makasi e bandaki koleka na ebale. Nandenge te mbonge ezalaki komata likolo koleka boato. Voilà. Kasi Yesu azalaki kolala pongi. Verset 25. Baye koliba pusanaki pene pene na ye pe balamusa kiye. Balobaki, Kolo, Biki Sabiso, Tolingi Kokufa. Verset 26. Tango ba moni mupepe makasi. Omoni? Biso petoza ba yekolina ilelo. Ba benga kiye ba gangi ba leli. Kolo, salanini? Biki Sabiso, sauve nous, délivre nous. Tozo sambe la zambe a biki samboka na biso. Zambe a sauvé mboka na biso. Dieu sauve notre Zambe pays. A batté la biso. Il protège le pays. Nangonga oyo tozo kotati na mois de juin. Zambe a batté la mboko yo. Mupepe mabe oyo et traversé quatre coins ya mboko yo ebima. Amen. Na kombo na Yesu Masi. Amen. Continue. Kolo biki sabiso tolingi kokufa. 26.
Kasi Yesu azongisaki bato ya kondima moke. Pona nini bozali kobanga? Voilà. Atelemaki agangelaki mopepe na ebale. Agangelaki mopepe na ebale. Atelemaki agangelaki mopepe na ebale. Pe kimia ezongaki. Alléluia. Na minito yo ngai na yo pe tozo telema na losambo. Nous levons en prière. Tozo ganga contre mopepe mabe. Nous allons gronder ces mauvais vents. Mopepe wana tozo gangla Yesu alobi musala oyo ye asalaki biso oyo tondimelie tokosala kutu koleka. Soki agangela ki mopepe wana biso pe tokogangela mopepe mabe. Oyo ezo linga kopeta likolo ya mboka na biso tozo gangela yango na kombo na Yesu et tozo pesa ngo autorisation abima na katre kwa ya mboko yo azana esikate awa mupepe ya liwa mupepe ya desor mupepe mabe to gangela yango na kombo na Yesu Masia. Et si Christ nous a dit que ce qu'il a fait, nous en ferons même de plus grandes. Comme lui avait grandi les vents, nous aussi, nous allons nous lever. Nous allons ordonner à ces vents mauvais de sortir de notre pays. On va prier. Et je demande à ceux qui sont avec moi de se lever. On va prier. Donc si tu vas t'élever, tu vas s'élever. Merci. Nous allons prier. Donc au Sambela. Kakadenge utikoyoka. Dès que tu viens d'attendre. Selon vision Zambela kisinga. Selon la vision que Dieu m'a montré. Na utikotetu lango. Et que je viens de. Na mona ki molili ezipimboka. J'avais vu des pestes ténèbres couvrir les pays. Et puis na moni kake ezopeta. Et j'ai vu la foudre. Partout. Partout. Surtout na Kinshasa. Surtout à la capitale Kinshasa. Et na posé question. Et oyo ezani. Je posais question à Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Alobi. Et loko nini moto a fabriqué. Et soki abeti yango et sonaka lokola kake. Il m'a dit quelle est la fabrication de l'homme qui retentit telle la foudre. Réponse à pesinga yango. C'est la réponse qu'il m'a donnée. Zame alobaka alobaka voilà na parabole. Et Dieu parle en forme de parabole. Et moi j'ai compris. Yo peux se soli. Toi si tu as compris. Maintenant na linto sambela. J'aimerais que nous prions. Na bangi na ko na denge akobanga te mais e bangi singai révélation yo. Et ce n'est pas la frayeur, mais j'ai craint Dieu à cause de cette révélation. Parce que naïb que quand Dieu me parle, nyonso, dengue yo mokozo la na ba parole prophétique ya 2020, ozo munango ezo kokisa na misu na yo, zambe akokisa ya yango. Et je crains parce que je sais que tel que toi aussi tu le sais, toutes les paroles que Dieu me donne, on va prier. Donc on sambe là. La Bible dit exact des voix na biso to sambe la pour na mboka et pour na bakozi ya mboka ba dirigeant plutôt koka ko vanda na kimia nyoso. Et la parole de Dieu nous dit que c'est notre devoir de prier pour le pays ainsi que les dirigeants afin que nous puissions mener une vie dans la paix. Tu vas lever ta voix. Que mon pépé yoso mabé. Que tout va monter. Oye Zakoya. Qui vient. To lakeli anko mabé. Nous le maudissons. To pameli anko na mboko. Nous le bannissons. To bengani anko libana ya kate kwa ya mboko. Nous le chassons du pays. Eza na plasté. Cela n'a pas de place. Tombola mgongo na yo. Élève ta voix. To bani kosambi la biso yoso. Ma sobra de gabala taga. Bayate et soso prodobo si kapalaba et suka palato sopoto posidia agataga bagataga yate gede mekatuba kayata gabatagaya erobos 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 et katuba yate gede prions 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 eros shabada eros shabada eros shabada eros shabada belisa votre place aux amis belisa votre place aux amis vous pepez yos tout vous. Mabe, Nicolas a dit assez. Tu peux gagner au Libana. Tu chasses au Libana. La combo de Yosu. Et Capora. Et Capora. Paratega. Osa Pulaka. Ayaneme. Ayaneme. Broniaba. Broniaba. Ayataba. 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 Erobo Koshia,
Nous allons prier toujours. Attitude de prière longona biso. J'aimerais que tu plonges dans cet instant de prière avec nous. Albisamela pona kimia ya mboka Congo na biso. J'ai prié pour la paix de la RDC. Bosoki Congo azana kimia biso pe lokola. Si la RDC est en paix, nous aussi nous sommes. Nous venons de lire. Selon Jérémie 29. Selon Jérémie chapitre 29. Verset 7. Le verset 7e. Alobi. Il a dit Tosamela. Que nous prions. Pour le pays. Bien aimé. Molingami. Toko tombola. Nous allons élever nos voix. Toko sambela. Nous allons prier. Pour la kimia yamboka na biso. Pour la paix de notre pays. Toko prophétiser. Nous allons prophétiser. Kimia et régner. Qu'il y ait la paix. Partout. Ici Kanyonso. Quatre coins. Nabisika Nyonso. Yamboka. Ya RDC. Selon Jérémie. C'est un livre de Jérémie, 7. Chapitre 29, verset 7. Et cherchez la paix. Boluka Gimia. De la ville là où je vous ai transporté. Namboka Sika Namema Kimia. Priez l'Éternel pour elle. Bobon de la Yahweh pour Nayango. Car dans sa paix sera votre paix. Pour Kimia Nayango, Bokozala na Kimia. Okosambelandeko. Tu priez bien aimé. Au lieu ya kake. De prophétiser Kimia dans quatre coins et RDC. Au lieu qu'il y ait la foudre, nous prophétisons la paix à tous les quatre coins. Oyo elingidie bektisa kake namboka oyo molimo wana to bengani yo libanda ya yoka molimo ba milimo mabe basala ka eloko mokote sonke ba kote la batu. Les esprits mauvais ne peuvent rien faire sans utiliser des agents humains. Mais dès que on s'occupe d'un esprit wana. Dès que tu t'occupes de l'esprit. Azangi instrument ya ko utiliser. Il n'aura plus d'instrument. J'aimerais que cet esprit là. Molimo wana. Oye lingi mona makila esopana. Tu veux voir le sang couler. Tobenganiyo. Nous te chassons. Bisoba sentinelle. Nous les sentinelles. Bisoba na zambi. Nous les enfants de Dieu. Ce qui est révélé est condamné. Oye moni sami. Tobenganiyo na kobo de Yesu. Nous te chassons au nom de Jésus. Tobola mgongo nayo bana ko. Toutes les condamnations.
Pour savoir que Dieu a parlé, il y aura des signes. Bilembo. Je parle maintenant prophétiquement. Il y aura des signes. Bilembo et Kozala. Malgré que tout semble et Zambia Zoyo Kalosambo, mais pour nous totaliser, ok, Dieu a parlé. Il y aura des signes entre maintenant et la fin des jours. Bilembo Kozala et Makati Yangonga, oh Nazoloba, qui n'a souka ya Sanza ya Motoba. Mais Dieu. Kasin Zambé. Va exaucer notre prière. Ako yano la lo sambo na déjà est salami. C'est déjà accompli. Parce que tout ce qui est révélé. Pote onyo se monani est condamné. Yangonde. Quand j'ai dit à ma femme, elle m'a dit seulement, il est un homme de Dieu aussi qui a vu cela. Ah bon? Na yebi pété, na yebi été, na yokité, na lobi Zambia zo lokum. Na limi tout sambe là. J'aimerais que nous prions. Parce que surtout Kinshasa, c'est-à-dire Kinshasa est ciblé. Surtout la capitale Kinshasa. Na version mususu ya parole na ya version semeur. Yoka denga lobi. Écoutez la version semeur. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai déporté et priez l'Éternel en sa faveur, car de son bien-être dépendent les vôtres. De son bien-être dépendent les vôtres. Bolamu yamboka wana na memi bino. Ekotali sape bolamu na bino. Alléluia. Amen. So nous allons prier pour notre capitale. Toko sambela pona ngumba mokonzi. Toko prophétiser. Nous allons prophétiser. Que au lieu ya kake to betsi. Kake ya kimia. Yes. Oye ko le kamayele ya batu. Amen. Que, qu'est-ce qui se passe? Nini ezo salema wana? Eloko bazo zela eko salema te. Amen. Ils n'auront pas le fruit de leurs attentes. Yes. Yesu a gangela ki mon pepe. Yes. Jésus avait grondé le vent. Kimia. Yes. A gangela ki. Il a grondé. J'aimerais que toi aussi tu cries sur ces vents mauvais pour la capitale. Toute foule qui veut donner tout vent mauvais qui veut souffler sur la capitale, nous le chassons, nous le chassons. Na kombo na Yesu Masia. Banda ko sambela do. Kangela, sambela. Isi ko zali pelisa mo to na ndaka. Au nom de Jésus.
Nous allons lire le livre d'Ésaïe, chapitre 38. Nous sommes là, verset 6. Ésaïe, chapitre 38, nous lisons le verset 6. Ésaïe, chapitre 38, verset 6, version Darby. Et je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie, et je protégerai cette ville. Alléluia. Ah oui, je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Et je te protégerai. Et je protégerai cette ville. Je protégerai cette ville. La main du roi d'Assyrie, wana ezo lobela Satana, le dragon. C'est lui qui a la mission de voler, de détruire et d'égorger, tuer. Et mokonzi a siwa nezali de Satana. Oyo mosala nezako bebisa koyiba pe koboma. Mes amis à lobi. Dieu a dit, je te délivrerai. Nakobi ki sayo. Toi et cette vie. Oko samela. Tu vas prier. Moi et ma famille. Et cette ville n'a déclaré et n'a décrété délivrance à 100% kokangolama na saison oyo na eleko oyo na kombo na Yesu Masi. Au nom de Jésus Christ de Nazareth, que makila ekotangate, que le sang ne coulera pas, que molimo ya liwa to bengana yango, que nous chassons l'esprit des morts na kombo na Yesu Masia. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Alors bas qui en septembre l'année passée, que to komona ngo farafa makamusu to komi komona na 2020 yango to bani komona. L'année passée en septembre, je l'avais dit, nous le verrons de vue comme ça. So, mais cette fois-ci yambala oyo, ça concerne particulièrement le pays. Et j'ai la joie parce que quand Dieu révèle quelque chose, et tu agis en conséquence, et la victoire nous appartient. J'aimerais que tu, pour la délivrance, pour la délivrance de notre nation et aussi de notre ville capitale Kinshasa, de la main du roi d'Assyrie. Alunga na maboko ya mokonzi ya Syria, le dragon wana nyoka ya kala, qui voulait détruire et égorger. Olingi aiba abebisa pe na suka aboma. Plan na ye to renverser. Nous renversons ces plans et to libérer un golou ya protection. Et nous libérons la grâce de la protection. Selon, c'est lui-même a dit.
sur notre pays, sur notre vie capitale et chaque famille, au nom de Jésus Christ. J'aimerais que tu lèves ta voix. Commence à décréter au nom de Jésus. Tu as dit que merci au nom de Jésus. In Jesus' name. Amen. Priez à Souka avant Masnangazwa Baton. Ma dernière intention de prier. Daniel, après Pasteur Mike. Priez à Souka. La dernière prière. Là où tu es, tu vas t'agenouiller. Nous aussi. Selon chapitre 2, verset 12. Joël chapitre 2, verset 12 à 13. Okay. Version Darby. Merci. Ainsi, encore maintenant, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec jeûne et avec des pleurs et avec deuil. 13. Déchirez vos cœurs dans vos vêtements et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est plein de grâce et miséricordieux, lent à la colère et en grand en bonté. Merci, Zambia Pamle. La Bible dit déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est plein de grâce. Il est plein de grâce et miséricorde. L'un à la colère et grand en bonté. Il se répand du mal, donc il a menacé. A menacé que à cause salamabe. Ako changé ma canisse. Na lingito le zambe, miséricorde ya zambe, e ganga likolo ya mboka de biso, RDC, bisiko zali, fukama, banda ko sambela, au nom de Jésus. Partout qui est, à genoux, toi, comment ça va? Père éternel, nous te prions au nom de Jésus. Implore l'Éternel pour sa miséricorde. Sur la capitale et dans vos provinces, ainsi que dans les provinces, nous couvrons tout le pays
par le sang de Jésus. Nous couvrons l'atmosphère de la RDC par le sang. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Balonga qui est pour la makila. Nous allons implorer ce sang. Que son puisse. Il est écrit, le sang de Jésus parle des meilleures choses. Nous allons invoquer tous les quatre coins. Dans tous les quatre coins. Maison par maison. Pour envelopper la makila na Yesu. Nous l'enveloppons par le sang. Capital, maison par maison. Ils ont inondé la makila na Yesu. Et ton disami na makila na Yesu. Sacrifice sur satanique diabolique. Tout sacrifice satanique diabolique. Tout quoi ici. Au nom de Jésus. Bandako Sambela. Comment ça peut marcher? Il est écrit que le sang de Jésus-Christ est celui d'Abel. Mais Rosalba Gaya Toboko Shige. Eka, Mesopo, Eka Lusa, Ayatagaba, Boshamadayate, Mesoko, Mesipi, Maison par maison, Namakilanes, Maison par maison, les sons de Jésus, Eka Lubashala, chaque province, tu es inondé, Namakilanes, Eka Posa, capital du sang, tu es inondé du sang, Makilanes, tu as pris Kiago, Nicolas, Maison par maison, Makila et Kaka. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous continuons à intercéder pour le pays. Dans ma commune, Proverbe 14, 27 et 28, ma commune est boye. Les Saintes Écritures disent ceci. La crainte de l'Éternel est une source de vie. Yes. Pour détourner des pièges de la mort. Bien aimé, il y a des pièges de la mort. Quand on se dit pas qu'on est enfant des dieux, il y a des pièges de la mort. Si Jacques a été décapité, c'était par le piège de la mort. Jacques craignait Dieu. Mais l'église était encore distraite. Papa vient de dire ici. Pour le pays. Mais quand l'église s'est élevée qui pour la pierre. Mais quand l'église s'est élevée pour le piège de la mort, Pierre allait être décapité. L'église a prié la mort et comment qui détournait vers Pierre. Et balinga qui pakata Pierre mutuka si tant l'église est sembla qui liwe qui maquillé. Tozana ba Pierre na mboka oyo. Nous avons des pierres dans ce pays. Le verset 28 dit ceci. Quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi. Quand le peuple manque, c'est la ruine du prince. La dépopulation cause la ruine du roi.
J'aime la version parole de vie qui dit que la dépopulation cause la ruine du roi. C'est-à-dire ce qui batouba koufi et belé na mboka. Quand il y a des morts en cascade dans le pays. Et ça même quoi affecter gouvernement ya mboka wana. Ça affecte même le gouvernement de Soso Sambela. Nous allons prier. Ma commune à Zacharie 9 11 et lobby. Dans Zacharie 9 11 à cause de l'alliance scellée par le sang. Bon aboyo kaniwe salé. Je veux retirer tous vos captifs dans la fosse. Na kopi misa nous ne savons pas ce que le serviteur de Dieu a vu comme fosse. Ça représente une fosse dans laquelle on a mais plongé. Mais Dieu nous dit ce soir, à cause de mon alliance que j'ai scellée par le sang avec vous, je veux retirer toute cette population qu'on a mis dans la fosse. Nous savons tous que Jésus-Christ a obéi pour nous. Jésus-Christ a été le meilleur sacrifice. Il s'est donné pour que les innocents soient échappés. Nous allons prier. Nous tous ensemble. Nous allons rappeler l'alliance de nous allons rappeler notre alliance avec Christ. Cela qui n'a maquillé na Yesu. Il avait scellé par. Et puis misa mutunyo sosa na katia force. Na katia molili wana o mosala nzamba monaki sambela na motema na yo mbimba na kombo na Yesu. Il est tout Deuxième maman. Yes. Nous allons continuer à prier. Il est écrit dans la parole de Dieu que le Saint-Esprit est notre secours. Lui, il est là pour glorifier Jésus. C'est-à-dire la parole. Nous allons encore prier toujours pour notre pays. Que l'esprit de conviction pénètre dans le cœur de toute personne qui se tient sur la terre. 1 Chronique 7:14 dans le livre Chronique, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple s'humilie et prie, nous lisons 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, dans la version parole de vie. Et mon peuple, à qui j'ai donné mon nom, s'abaissera peut-être devant moi. Il priera, il me cherchera en abandonnant sa conduite mauvaise. Alors moi, du haut des cieux,
du haut du ciel, je l'écouterai et je pardonnerai ses péchés et je réparerai les ruines de son pays. Alléluia. Amen. La partie dernière, il y a étape Oyo, il faut Nzambe à exaucer si ils se détournent de leur mauvaise voie. Ce qui nous nous sommes humiliés, nous prions. Mais alobi, si il se détourne, c'est ainsi que je veux guérir son pays. Alobi, ce qui bâti, qui banzela ya mabe, na yangonde na kopi ki sambo. Nous allons dire au Saint-Esprit de souffler dans tous les quatre vents de la République démocratique du Congo. L'esprit de conviction pour abandonner toutes les mauvaises voies. Car ce n'est ni par nos efforts, mais c'est à cause du Saint-Esprit. Il est écrit, personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de conviction est kotanamupebisikanyoso. Que l'Esprit de conviction aille dans le vent partout. Et longolabatunaba mauvaise voie nyoso. Et écarte les gens de toute mauvaise voie. Prions le Saint-Esprit au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, demandons à ce que l'Esprit de la conviction, l'Esprit de la conviction s'enfuit. Il est écrit que tu nous convaincras du péché, de la justice. Oui, Saint-Esprit, viens souffler de tous les quatre vents de la République démocratique du Congo. Viens convaincre toute personne malveillante. C'est toi l'esprit de la conviction. Amène-nous ta conviction. Accorde-nous corps pour nos cœurs. Convainc nos cœurs. En commençant par la tête, jusqu'aux pieds, dans nos autorités, dans la population. Esprit de Jésus-Christ, Lévitique chapitre 26, verset 6. C'est la version Darby. Et je donnerai la paix dans le pays. Yes. Et vous dormirez sans que personne vous épouvante. Et je ferai disparaître du pays les bêtes mauvaises. Et l'épée ne passera pas par votre pays. Mais la version lui, c'est quoi? Je mettrai la paix dans le pays. Et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays le bête féroce et l'épée ne passera point par votre pays. Alléluia. Ça, c'est Dieu qui dit. Dieu ne veille que sur sa parole pour l'accomplir. Nous aussi nous levons sur cette parole. Si Dieu a dit que je mettrai la peine, nous avons changé. Et puis personne ne troublera le sommeil des Congolais. Et puis l'épée ne passera point sur votre pays. J'aimerais que nous puissions dire à Dieu, c'est lui qui donnera la paix. Il a dit que nul ne troublera le sommeil des Congolais. Et ça, la Satan. Et
que soit le diable, que soit les sorciers, les occultistes, tout troublé sommeil à Congolais, personne ne troublera le sommeil des Congolais, c'est-à-dire mindou qui est compétente, il n'y aura pas de coup de feu, il n'y aura pas de coup de Congo. Donc tombe les mingongo na biso, to bani ko déclarer ma loba oyo na Congo na Yesu Asia. Papa toi tu as dit tu mettras la paix dans notre pays. Mais le Dieu conscient, et le Dieu conscient, et le Dieu conscient qui vient à Boca Congo, la patia qui vient, et le Dieu paix, et paix dans les catènes à Boca Rabiso. Pas qu'il est content à terre, nous croyons à ta parole, nous croyons à ta parole, nous croyons à ta parole, Manda Brade, César Chana Ayala, Zozo, Ebra, Manda Bo, Shabara, Shabara, la paix à tous les gens, tu mettras la paix, si à qui vient à Boca Congo. Pour tout à coup troublé sommeil à la Congolaise, pour tout à coup troublé sommeil à la Congolaise, pour tout à coup troublé 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 à la Congolaise, in Jesus' name. Amen. In Jesus' name. Amen. In Jesus' name. Amen. Nabangi tam papa lobi amonike molile zipimbo kamobimba. Et j'ai été frère quand papa dit que les ténèbres pèsent couvrir le pays. Nombreuses choses se passent dans les ténèbres. Et les ténèbres n'appartiennent pas à Dieu. Nous lisons le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 9. Verset 14. 9. Jérémie chapitre 1 verset 9. Totangi na komo na Yesu lingala. Si mayawe apusi liboko na ye. Asimbi monoko na ngai pe alobi na ngai. Yo moto okozala molobeli na ngai. Makaboja. Verset 10. Yebate lelo oyo na pesio mosala pona bamboka pe ba kontina yango. Okoza la kolongo la bakondi pe ko bwaka bango na se. Okoza la kopo mabikolo pe ko panza yango. Kasi okoza la pe ko bongisa bamboka pe ko tonga yango lisusu. Na yo ke même na yo te. Toko sambela. Nous allons prier. Molili oyo ezipi biso déjà. Ces ténèbres nous sont déjà couvertes. Mais maloba lobike samba tiana monoko na yo na ngai na popa lelo. Maloba ya kobongisa mboka oyo ko détruire ba pouvoir nyonso na kobongisa toko sambela bisika molili e batami e pande libiso na pokwa lelo toso libere maloba molili wana e disparé mboka oyo e bonga toko kufa te toko kufela te Congo makile go tanga te Sambele au nom de Jésus. In Jesus' name. Amen. Papa précisait à l'obiboye.
surtout ville de Kinshasa, surtout la capitale. Ndeko, na banga kamaloba papa. J'ai craint les paroles. Et l'okono sous ton son vivre le lot. Tout ce que nous vivons aujourd'hui. Alopi ango déjà. Il avait déjà dit en avance. 2018-2019. En 2018-2019. Alopi le lot, c'est tout Kinshasa. Alopi ezab mingi mingi Kinshasa. Togo sambela. Nous allons prier. Tous en 24 communes à Kinshasa. Nous avons 24 communes à Kinshasa. Tous les quartiers à Kinshasa. Ba quartier Nyonso. 14 millions d'habitants à Kinshasa. De plus de 12 millions d'habitants à Kinshasa. Ba congénion sur ma famille à Kinshasa. Et toutes les autorités à Kinshasa. Maloba oyo nzamba tiana monoko na biso. Les paroles que Dieu a mis dans notre bouche. Pour la kobongisa. Pour arranger. Pour la ko détruire. Pour détruire. Tozo détruire ba mabenyo sur ma tiana mon pépé. Nous allons détruire tous les mal qui est. Et tozo planter ba kimia na katamboka oyo. Et nous plantons la paix en RDC. Pour sambeli na kombo na Yesu. Prions au nom de Jésus. Chakate para à la commune de Kinshasa, j'installe la paix. À Gonfle, j'installe la paix. À Lévois, j'installe la paix. À Kalamou, 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 j'installe la paix. À Bondal, Yahweh, j'installe la paix. À Galien, j'installe la paix. Bongafoula, la paix. Chasson, la paix. Machete, la paix. Lemba, la paix. Au nom de Jésus, les saints de Jésus, nous installons la paix. Nous installons la paix. Nous installons la paix. Nous installons la paix. Et Jésus, nous allons lire le livre Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 37, verset 9. Ézéchiel 37, verset 9. Ézéchiel 37, verset 9. Totangi na komo na yesu version lingala. Bongo Yahweh alobi na ngai. Yomoto, sakola na kombo na ngai. Loba boye na pema. Pema, kolo Yahweh alobi na yo. Bimela bipa inyoso oyo mopepe utaka. Pe yaka kokota na bibembe oyo. Po ezonga lisusu na bomo. Amen. Nous allons prier. Liwa ezo tambola na veni nyonso. La mort partout dans le monde, partout en RDC. Mais Moussa Yanzamba bimisi maloba. L'homme de Dieu a sorti. Alobi samba yebisiye. Dieu lui a dit abongisa bisika wana. Qu'il puisse réparer. C'est-à-dire à ceux qui saba oyosiba poufi déjà. Pour ressusciter ceux qui oyosiba sa contaminé déjà. Ceux qui sont déjà contaminés. Oyosiba bungi déjà. Ceux qui sont déjà partis. Nous allons prier. Ce soir. Et cet esprit de mort. Nous peut te libérer mon pépé. Non, si nous libérons. Et pépé, l'atmosphère vient pour détruire. Pour détruire. Pour détruire. Et il y a sa vie. Pour donner la vie. Nous déjà. Toute personne. Aïe, ma mon pépé, vie. Reçoive cette vie. Sambeli na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Par contre, katata. Et prenez Nous allons lire Hébreux 11, verset 2. Le livre des Hébreux, chapitre 11, verset... Frère Gauthier, au Kukyota. Hébreux 11, verset 2. Nous lisons au nom de Jésus, version Louis Segond. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alléluia. Amen. Balobi, ba ancien prophète...
bazwa ki bon témoignage na nzela ya kondima bazwa ki litato limala mupona kondima toza ko toza na esprit de foi o ezala ki na kati na bango. Nous avons l'esprit de foi qui était en eux na Genèse 1 dans Genèse chapitre 1 1 tina 3 du premier au troisième verset. Ma komie lobi molili ezingaki. Les saintes écritures disent qu'il y avait des pestes ténèbres. La terre était informe. Dès que nous voyons maintenant, informe et koti na kati ya mabele. Il y a l'informe sur la terre. Mais la parole déclare. Et Dieu dit que la lumière soit. J'aimerais que maintenant, que tu engages ta foi. Prophète, pas toi qui porte témoignage. Par lequel le prophète a fait son témoignage. Tu déclares ce que tu veux voir. Papa a moni molili. Papa a vu les ténèbres. Donc tu vois prophétiser. Ce que tu veux voir. Dieu avait déclaré ce qu'il voulait voir. Dans les ténèbres. Dans l'informité. Et il en était fait tel qu'il avait dit. Que tu pries avec toi. Décrété en tant que roi. Tu décrètes. En tant que sacrificateur. Osons décréter le corps de mon tu décrètes dans ce pays. Oyo, ce que tu veux voir dans ce mois. Bandako déclaré, peko décrété na combo na Yesu. Commence à déclarer. Je déclare la vie. Je décrète la vie. Je décrète la vie. Je décrète la vie. Je déclare la vie. Je décrète vie et quota. Vie et quota. Restauration par la puissance du Saint-Esprit. Restauration par la puissance du Saint-Esprit. Qui m'y en a vaincu la combo na Yesu Christ. Qui m'y en a katia vaincu province. La combo na Yesu Christ. Parce que Jésus-Christ, tu es notre maître, tu es le Dieu dans cette nation, dans le nom de Jésus-Christ, de décréter qu'il y a Papa, merci. Si. Nous décrétons à toutes ténèbres. Tu as dit l'œuvre que tu as faite, nous en ferons maintenant. On t'a montré la tempête qui s'enfuit. Et tu as crié dessus. Et il lui a dit calme. Nous aussi, nous crions dès que toi tu avais prié de arsi au nom de Jésus. Que toutes ténèbres disparaissent et disparaissent dans l'espace yonso ya capital. Que toutes ténèbres disparaissent au nom de Jésus Christ. Que ta lumière, que ta paix et cause règne. Oyo ennemi azozela. Ce que l'ennemi attend ne s'accomplira pas. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu mon roi. Matondo zambe mokonzi nanga. Merci. Matondo. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. To beteli Yesu maboko bisobanso. Acclamons Jésus. Acclamons tous Jésus partout nous sommes. Na lingi bandeko yoso. Dengi tozo kota na louange et adoration oyo. Dès que nous entrons dans cet instant de louange et adoration. Préparez sainte scène nayo makila na Yesu. Préparez la sainte scène, le sang et le corps de Christ. Zambe alobina yo sabino. Dieu m'envoie vous dire. Mutu yoso oyo alingi mboka na ye. Toute personne qui aime son pays. Eza de voix na ye. C'est le temps de voir, Assemble. De prier. Nous avons prié et toujours continué. Et nous continuons. Mais sache, chaque minuit,
Il faut aspecer ma kila na Yesu na mabele. Comme point de contact. Lokole sika ya kosimba. Na kolinga batangila ngai Luc chapitre 22 verset 19. Je remets qu'on lit Luc chapitre 22 verset 19. Verset 19. Ouais. Luc chapitre 22 verset 19 et 20. Oui. Verset 19 et 20, nous lisons la version Louis Segond. Luc chapitre 22, verset 19. Ensuite, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il les rompit. Et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Verset 20. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe et la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous a dit, le bon ensemble a dit, Yesu a joué lipa. Christ a pris un pain. A pamboli. Il a béni. Lipa et a lipa. Le pain, c'est le pain. Mais si ma pamboli n'est pas. Il a béni, bien aimé. Alvi bozo a lipa bolia. Il a dit. Non, il n'a pas dit prenez le pain et mangez. Bandeko nanga alobi. Oyo eza nzoto. Il a dit ceci est mon corps. Après Azui breuvage. Après il a pris la coupe du breuvage. Tout ce qu'un enfant de Dieu peut prendre. Et à la jus. Un jus. Et à la maille. De l'eau. Yesu Azui. Jésus l'a pris. A pamboli yokaye. Il a béni. Alobi oyo eza fanta koka jus maille bomela. Non non. Alobi oyo eza boyokani yasika na kati ya makila na ngai. Excusez, nous lisons la version Lingala Makanza. Verset 19. Akamata ki kuanga. Atonda ki. Omoni? Lingala lobini ni kuanga. Disons tu ebi kuanga. Nous connaissons tous la chikuang, le manioc. Sadi, Bible ezo lobani ni eloko yonso to liaka to kozwango to pamboli yango e komi. Après la bénédiction, comme une zoto, comme une makilana. Cela veut dire que tout ce que nous pouvons manger. Akamati nini? Lingala Makanza, verset 19. Akamata ki kuanga. Voilà. Atonda ki, pe abuka ki ango. Oui. Pe a pesa ki na bango, pe a lobi ete. Oyo e jalin joto nangai. Aha. E sili ko pesa mapona bino. Voilà. Salaboye po e kaniseli nangai. Alléluia. Verset 20. Bobele bongo akamata ki kopo na simana kolia pe alobaki boye kopo oyo ejali kondimana na sika na makila na ngai. Alléluia. Amen. Boyoki azui kopo apamboli. Il a béni la coupe. Albi oyo eza kondimana boyokani ya sika na kati ya makila na ngai. Nouvelle alliance dans mon sang. Na français balobi ça c'est la nouvelle alliance dans mon sang. Amen. Fais ceci. Sala boye à ma mémoire. Tona okanisa. Qui nous a commandé de faire? Na yati biso to sala nzambe. Ça c'est un. Yali boso. Deux. Yami balé. Yesu alobi musala oyo ye asala ki biso pe toko sala kutu. Il a dit l'œuvre qu'il a faite, nous aussi nous en ferons même plus grand. Et la Bible nous a dit. Le bantam est allé sibiso. Alobi. Alobi. Makila na Yesu. Le sang de Christ. Et lobaka. Parle. Ce qui na Égypte. Si en Égypte. Makila ya ntaba. Le sang d'un bouc. Ya meme. Et ganga kipo na bango. Pouvez parler en leur faveur. Cela aussi va réclamer en notre faveur. Quand ils ont aspergé en Égypte, que chaque famille prenne un agneau, qu'ils prennent le sang qu'ils mettent sur les linteaux des maisons. Quand l'esprit des morts passera, cela n'arrivera rien. De même, dans le service, dans ce service. Après avoir pris la communion. Na simayakolia communion. Na minuit. Oko aspeze makila na Yesu na mabele. Na katikati ya butu oko sopanda mabele. Biso yonso tuza representé pa
partout na communions. Nous sommes représentés dans toutes les communes. Et toujours représenté provinces. Et nous représentons toutes les provinces de la RDC. Netinga nazaka avant Mexico na komi Mungala ya solo et naza Mungala ya solo solo tina makila. Et na Bali Mungala. Naza mutya lisala. Alléluia. Amen. Kalamindi ke nazo kende kuna kotonga ndaku moko ya muke. Parce que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit so, na lingi dit que nous avons 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 dit makila nous avons dit province nous makila oyo. Et tangisami et gaga yoso molili ezipimboka et kende denge to zipaka to koma to zipaka rido boye après to longoli rido kaka dengwana ezala efase makila oyo e ganga kimia par tous les moyens pona mboka na biso na komo na Yesu okomona loboko ya zambe au nom de Jésus makila wana eloba préservation c'est ça on réclame la préservation. Dengue préserva qui bango na Egypte. Dès qu'ils avaient préservé en Egypte. Et qu'on préserve biso aussi les lots. C'est là-bas encore nous préserver aujourd'hui. Parce qu'il n'a pas changé. Il a pris le pain et le breuvage. Azoaki lipa. Il a béni. Nako poa pambola. Et après la bénédiction. Nasima ko pambola. Alobi ça c'est mon corps. Alobi oye zalin zoto nanga. Et alobi ça c'est mon sang. Pe alobi oye makila nanga. La nouvelle alliance dans mon sang. Boyo kanya sika na makila. Pour te dire qu'il y avait une ancienne alliance dans son sang. Pendant le bateau kanya kala makila. Mais aujourd'hui. Kasilelo. Ça c'est la nouvelle alliance. Oyo nde boyo kanya sika. Alléluia. Amen. La nouvelle alliance. Boyo kanya sika. So biskozali. Partout hier. Na lingio tombo lango. J'aimerais que tu lèves. On va prier. Oui, va je te ressembler. À partir maintenant. Kobanda sikoyo. Butu yonso. Chaque nuit. Ate lingesi la bakisa. Otangisi yango. Ti mois de juin ekosila. Jusqu'à la fin du mois service. C'est le service. Nous allons prier pour le pays. Ce sont nous les sentinelles spirituelles du pays. Tombolango. Élève. Bisikozali, on va ta prier. Sainte Osambela. Papa. Père. Yokangai. Écoute. Dès que je prie. Tu vas imposer ta main. Rochalo Bokonayo. Moko simbi moko mekron enguya zambe ezo traversé et la puissance de Dieu te traversera nazo bona même ba délivrance zo salema na ndako ya bato. Je vois des délivrances opérer enguya zambe zo sopana la puissance de Dieu court denge mwana nanga Jonathan atetoli famille moko alobi enguya ya zambe sopani denge tozalaki wana plateau kuna na ndako casque des bandai salami. Et tel qu'une famille a donné témoignage par mon fils Jonathan qui avait des délivrances en cascade. Zambe nangai azana limitation. Mon Dieu n'a point de limitation. Nazomuna il y aura des délivrances. Nazomuna ba délivrance même par ce service maintenant. Nazela service de sikoyo. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Impose ma bouche na Yesu. Impose ta main. Père au nom de Jésus. Papa na kombo na Yesu. Je prie pour tous les bien-aimés qui nous suivent. J'étends mes mains à l'écran. Ta parole a dit à Nombre 23, verset 20. Tu m'as donné l'ordre de bénir. Et ce que j'ai béni est béni. On ne peut pas révoquer ça. Je tends ma main. Na pamboli communion ya lelo. Je bénis la communion de na ce soir. Et loko wana osimbi na maboko na yo. Et je bénis ce que tu as touché en oye, ta main. Telemi po na zoto na epo na makila na ye. Que tu as utilisé comme point de contact. Je la bénis, na déclaré et a sanctifié. Je déclare il est sanctifié. Na transformé yango. Na bongoli yango. Et comme un zoto ya Yesu. Il devient le corps de la kwanga. Que ce soit la lipa. Que ce soit le pain. Que ce soit la biscuit. Que ce soit la fufu.
accessoire du foufou. Tout ce que tu as touché est béni. Et ça sanctifie. Il est sanctifié. Privage yon sosimbi est pambolami. Est béni. Et commis ma kila na yesu. Et changé en sang de Jésus. Et déclaré. Je déclare. Nan zela ya communion yo. Par cette communion. Yamba mangwele ya bomo ya yesu masi. Reçois le vaccin de vie de Dieu. Yo na libota na yo. Toi ainsi que toute ta famille. Bisika bomo ye vandi. Là où il y a la vie. Liwa ekokiko vanate. La mort ne peut y demeurer. Bangomi balé baza kamarade te. Les deux ne sont pas. Soki omoni mutu balobi akufi zedadi bomo ya kei. Si tu vois quelqu'un mort, c'est qu'il n'y a plus vie. Mais bisika bomo ezali. Mais là où il y a la liwa vie. Liwa vanda kate. La mort ni nanzela communion yo. Par cette communion. Na libéré bomo yi. Je libère la dans vie. Nabino, sur vos corps. Na makila nabino, dans vos sangs. Na organe na yo, dans tes organes. Na ndaku na yo, dans ta na finetre, dans la fenêtre. Na batuatule, sur la toiture. Na libéré bomo. Je libère la vie. Molimo ya liwa eza ote. L'esprit de mort est ôté. Nanzela ya communion yo. Par cette communion. Alors celui qui ne mange pas mon sang. Babi oazo. Qui ne mange pas mon corps. Qui ne mange, qui ne boit pas mon sang. Oazo lianzo. N'a pas la vie en lui. Mais celui qui mange et qui boit. Vie. Reçois la vie dans Zéla communion. Reçois la vie dans Zéla communion. Au nom de Jésus. Tout dans ton corps. Oh, ils ont contre la vie. Ils ont télémé la bombe. Ils ont banni. Et laquelle ils ont banni. Et pas mélamé. Au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la sensation que tu as, tant qu'oracle à Zambé. Je me tiens comme oracle de Dieu. Et prophète. Je prophétise que tu es guéri. Tu es délivré. Au nom de Jésus. Na kombo la Yesu. Je suis en train de voir, il y a quelqu'un qui me suit. On t'a confirmé que tu es empoisonné. On t'a confirmé que tu es empoisonné. Dieu m'a dit de te dire, dès que tu prends cette communion, j'ai balé tout poison de ton corps. Et tu vas aller faire les contrôles. Il n'y aura plus de traces de poison. Au nom de Jésus. Il y a une autre dame qui me suit. Tu as un problème de conception. N'oublie pas, notre Dieu voit la fin des choses dès le commencement. Ce qui se passe aujourd'hui, il a vu plusieurs années passées. Et il avait dit, maman Ozawana, maman tu es là. Tu as un problème de conception. Mais tu ne vois pas tes menstruations. Dieu t'a délivré et t'a guéri. Restauration totale. Tu verras la restauration totale. Après cette communion. Ta menstruation reviendra. Tous ces suivants. Avec la grossesse. Tu vois témoigner la grandeur de Dieu. Reçois ta délivrance. Au nom de Jésus. Tu es là aussi. Troisième cas. Yamisato. Un problème. Il y a cauchemar. Tu as un problème de cauchemar. Et comme et lokomoko butu yoso ya yo na zoloba et salamaka butu yoso. Et cela c'est toutes les nuits que tu as des cauchemars. Ce qui butu yé et comme neti et lokomosusu ponai. Quand la nuit s'approche, c'est un calvaire pour toi. Et ça calvaire, voilà. Mon Dieu t'a vu, il t'a délivré. Reçois ta délivrance. Au nom de Jésus Christ. N'a déclaré au Kango la mine. Tu es délivré de cela. Que je cite ton cas ou non. Imposez tes mains seulement. Tiens, l'iboko na on va imposer là où tu te sembles. N'a déclaré au Bikisami. Tu es guéri. Au nom de Jésus. N'a proclamé au guéri. Na lobi au Bikisami. Délivré. Au Kango la un miracle créatif et salami. Bikamo yam poisson. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Maintenant, nous avons mon continent. Au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Nous chantons ces cantiques pour clôturer. Et dès que nous clôturons, toi, tu continues à louer Dieu. Paul et Silas. Basambeli. Paul et Silas. Yembeli Zambé. Ils ont chanté à Dieu. Et le Saint-Esprit descendit. Paul et Silas priaient, dansaient. Le Saint-Esprit descendait. Paul et Silas priaient, chantaient. Le Saint-Esprit.
De Christ, je déclare votre week-end est béni au nom de Jésus. Je ne peux pas clôturer sans que n'assemble la pona mutumoko oyo asa très précieuse et a planté na planifié en côté et le Saint-Esprit est témoin na la musie na butu na lobi tozo ke ne kosambela. Mais na minute oyo molimo santo alobi le Saint-Esprit m'a dit comme et sa journée naye ya kobota manaye comme c'est son anniversaire to pambola que nous puissions bénir, prier pour elle. Na kolinga yo ozo la nabiso elongo to sambela pona mwasi na ngai denge azo telema tozo sambela pona ye et mbula sika zo banda zambe atie loboko na ye likolo na ye. Zambe apesa e bwanya que Dieu le accorde la sagesse. Mbula ya sika oyo azomata eza mbula ya makabu ya sika na vina ye. So, une année de nouvelles choses na kombo na Yesu Masia na lingi bosunga ngai na bandeko nyonso baza awa o mashande beria lawa Père au nom de Jésus. Papa na kombo na Yesu na confie mwana na yo na maboko na yo. Je confie ta fille entre tes mains lelo et à vendredi Mikolo Yakobota Manae le 29 mai. C'est son jour de naissance, son anniversaire le 29. Na sengi zambe nangai. Je demande au mon Dieu. Tikete mbula ya sika oyo. Puisque cette année nouvelle ezala mbula na yo. Soit ton année Yakokenga. De briller. Mbula na yo. Ton année zambe nangai oyo dimela banda. Mukole ya liposo wana. Mon Dieu en qui tu as crié depuis ce premier jour. Ezala mbula oyo zambe nangai azosa la différence na vie na yo. C'est une année où mon Dieu établit la différence dans ta vie. Na kombo na Yesu Masia. Au nom de Jésus-Christ. Ezala mbula ya sortie. Ezala mbula ya bobimi. Surnaturellement. Na vie na yo. Dans ta vie, na destin na yo, dans ton destin, na kombo na Yesu Masia. Au nom de Jésus Christ, je te bénis. Na pambolio, je te bénis. Na pambolio, je te bénis. Na pambolio, je te bénis. Na pambolio. Le Dieu, oyo amemi yo na se yangoloyo. Le Dieu qui t'a. Ces jours-là, Mokolowana, amoni lelo. Il a vu ce jour aujourd'hui. Depuis ce jour-là. Outa Mokolowana. Sambela pona mwana nangai. Prie pour mon enfant. Nazobota kala mingite. Je veux accoucher bientôt. C'est le premier jour. Eza Mokolowana liboso. Depuis ce jour. Outa Mokolowana. Makambo ebandi. C'est tout. Oyo zambe abandi na vie na yo. Ce que Dieu a commencé dans ta vie. Zambe wana akokisa yango. Que mon Dieu l'accomplisse. Année oyo. Cette année. Ezala année.
référence positive monene na destinée na yo. Soit une année de référence positive dans ta vie. Il est écrit, celui que j'ai béni est béni. Et comme ami, oh, na pamboli a pambola. Attends que ton mari et attends que autorité établie les colonels. Mobali na opé l'école autorité à Chami. Attends que mon sacoli. Attends que prophète. Na pamboli cette nouvelle année que tu as commencé. Na pamboli mbula oya sika yo. Ezala mbula ya nouveauté des choses. Ezala mbula ya makambo ya sika. Amen. Zambé. Apakisayo sagesse. Que Dieu t'accorde encore plus de sagesse. Attends que maman ya bana ebele. En tant que mère d'une grande na famille, na Yesu. Au nom de Jésus-Christ, la sagesse dont tu as besoin repose sur toi. En plus, inspiration. De l'inspiration, révélation, révélation te soit ajoutée. Na na Yesu, au nom de Jésus-Christ, quand tu parles, yes. Au nom de Jésus. Que mon Dieu t'élève et t'amène très loin. Au nom de Jésus. Ministère wana. Ce ministère. Et monisama. Sois vu. Et genga. Brille. Na kombo na Yesu masi. Au nom de Jésus. Je te bénis. Na pambolio. Et na déclaré. Je déclare. Mbula malamu. Amen. Une bonne. Mbula ya bonne santé. Amen. Une année de bonne santé. De meilleures choses. Amen. Skabazo tanga liwa. On parle de la mort, accident, des accidents, maladie, des maladies. Ton nom ne sera pas. Kimia est à la partage na yo. Que la paix soit ton partage. Et bota, ainsi que dans ta famille. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Nous avons prié. Amen. 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 Na ling to yemba. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Joyeux anniversaire, Mama Joyce. Joyeux anniversaire. Nalingala. Bota mae lao. Bota mae lao. Bota mae lao. Mama Joyce. Bota mae lao. Happy birthday to Bongo. Les temps de témoignage. Pétela Yesu maboko makasi. Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est la sœur Teresa et je viens de France. Je viens témoigner ce que Dieu a fait pour moi. Plus précisément le mardi 28 avril, Dieu m'a délivré de l'esprit de la sorcellerie. Depuis l'âge de mes 8 ans, là actuellement j'ai 16 ans, mais depuis l'âge de mes 8 ans, je sortais la nuit pour manger la chair des hommes, je buvais le sang des hommes, je faisais que le mal. J'attaquais ma maison, j'attaquais ma mère, et j'attaquais surtout mon père. Je l'attaquais tous les jours, je faisais du mal tous les jours. Je le frappais quand il partait au travail, quand il partait faire des courses. Je le frappais. Même il faisait des malaises, des arrêts cardiaques. Je continuais à l'attaquer, je continuais. Et même mes parents me disaient, Teresa, arrête de faire ce que tu es en train de faire. Teresa, ce que tu fais, tu t'enfonces dans un trou. Teresa, arrête. Moi, je les écoutais pas. Je les ignorais, je m'en foutais. Même dans ma tête, je me disais, mais moi, j'ai rien fait. Pourquoi il me dit ça? C'est pas moi, moi, j'ai rien fait. Pourquoi il me parle de ça? Moi, j'ai rien fait. J'étais inconsciente, en fait. Et on était en culte en direct. C'était le mercredi 22 avril.
Et Papa Dayo a dit, lorsque vous toucherez mes mains, quelque chose va se passer. Mon papa a touché les mains de Papa Dayo et l'a posé sur ma tête. Et là, à partir de cet instant-là, quand mon père il a commencé à me mettre sa main sur ma tête, directement, j'ai commencé à réfléchir. Je réfléchissais. Je me disais, mais là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de détruire ma vie. Si je continue, mais je vais aller en enfer, je vais pas aller au paradis, il faut que j'abandonne, il faut que j'arrête. Et le même moment, c'était j'ai écrit à minuit 35, plus précisément, à Papa Dayo. Je lui ai écrit un long message, je lui ai envoyé un long message, et Papa Dayo m'a répondu le 24 avril. Et je l'ai appelé le 28, et il m'a répondu. Et on a prié. Il y a aussi maman Dayo, elle a prié pour moi. On a parlé. Et là, quand Papa Dayo me parlait, je me sentais légère. Et quand maman Dayo a commencé à prier en langue, elle m'a dit, lève tes mains. Et à partir de maintenant, tu vas parler en langue. Elle a commencé à prier en langue. Là, j'ai ressenti une puissance qui est venue me transpercer, mes yeux clignotaient de tous les sens. Je tremblais de partout, j'avais des crampes partout. Je pleurais. Et à un moment donné, j'ai parlé en langue. J'ai eu le baptême du Saint-Esprit. Je parlais en langue en même temps, je pleurais. J'étais là en train de trembler, mes yeux clignotaient. Et quand je pleurais, mes parents sont venus, ils m'ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et quand ils ont vu que j'étais en train de téléphoner avec Papa Dayo et qu'il était en train de prier pour moi, ils ont compris qu'en fait, là, il y a une délivrance qui est en train de s'opérer. Et je crois que Dieu m'a délivré. Il m'a délivré de cet esprit. Quand on a fini de prier, je suis partie me coucher. J'ai dormi comme un bébé. J'étais légère. C'est comme si je me suis réveillée d'un profond sommeil. Dieu attendait ce jour-là, le 28, en fait, depuis longtemps, pour que je sois délivrée. Maman Dayo me rassurait, me disait, Dieu est là, ne t'inquiète pas, Dieu t'aime. Dieu m'a délivrée. Il m'a délivrée, je suis complètement libre. À partir de maintenant, là, comme je suis en train de parler, je me sens légère. Je suis libre. Dieu m'a délivrée. Dieu m'a délivrée. Vraiment, croyez à la puissance de Dieu. Croyez au Dieu de Papa Dayo. Dieu va agir à un moment ou à un autre. Ne vous inquiétez pas. Dieu vous aime. Et il nous aime d'un amour éternel qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je crois à la puissance de l'Éternel. Je crois en sa puissance. Dieu m'a délivré et je souhaite à tout le monde d'avoir ce ressenti en fait. Ce que j'ai ressenti, la puissance de Dieu là qui m'a transpercé. Je souhaite à tout le monde de le sentir en fait. Je rends gloire à Dieu, gloire au Dieu de Papa Dayo. Il m'a béni. Craignez Dieu parce que Dieu est puissant. Que Dieu puisse protéger son prophète. Que Dieu puisse protéger Papa Dayo. Et qu'il lui accorde une longue vie, vraiment. Parce que c'est vraiment un envoyé de Dieu. Vraiment, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Et soyez dans la paix. Demeurez dans la paix. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'était la sœur Teresa de France. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi... Tu vas commencer à dominer sous cette terre.
C'est moi qui bats la poitrine, je te le dis. Est-ce que Basimba Kazambe a parti à l'élo na commission intouchable? Amen. Na commission invisible. Na yoko kote sayo na linie ya batuba isapa makambo ya tenye wani.